Nous accueillons les membres de Soulline, originaires de Gentilino, ville au nom italien mais suisse puisqu'à la frontière sud-est de l'Helvétie. Soulline est composé de Lorenzo à la guitare, Marco à la guitare, Gebro à la voix, Yuval à la batterie et Miles à la basse. Gaël, allons-y. Alors bonsoir messieurs, on va commencer par les questions basiques, c'est-à-dire votre groupe existe depuis 2000. Votre premier album pourtant, Oblivium, date de 2007 avec deux démos entre deux en 2002 et 2004. Pourquoi est-ce qu'il vous a fallu autant de temps pour nous donner ce premier album ? Mais bonsoir à tous. Le problème c'était au début qu'on n'était pas vraiment capable de jouer. Donc on a dû apprendre à jouer avant d'enregistrer un album. C'est vrai que pour le coup c'est très technique ce que vous faites puisqu'on est vraiment dans du death mélodique et ça demande une grande maîtrise et ok, bon, ça peut expliquer tout. Alors la Suisse en ce moment ça semble être the place to be au niveau des groupes de métal parce qu'il y a une grande scène folk, il y a une grande scène death qui sont en train qui sont en plein essor. Comment est-ce que vous expliquez justement qu'un si petit pays puisse être aussi prolifique au niveau musical? C'est une très belle question. Ah, tu vois, en Suisse, on a beaucoup d'inspiration. Ah, on a beaucoup d'inspiration. Les montagnes, peut-être, qui nous aident. C'est l'air des montagnes. Créer. Oui, et Louvetier, par exemple, il vient de Berne. C'est très proche des montagnes. Et le folk metal, c'est très inspiré de cette solitude qui les montagnes nous donnent. Mais enfin, je sais pas vraiment pourquoi. Ah, vous avez peut-être une piste, on ne sait jamais. Ouais, peut-être aussi parce qu'on a beaucoup d'influence. Alors justement, c'est là que j'y viens. On a la part alémanique, la part française, la part italienne. Donc avec ça, peut-être qu'il y a un mélange de cultures. Alors c'est une superbe transition. Parce que justement, j'allais vous demander quel groupe vous influence vous plus particulièrement, parce qu'on peut repérer éventuellement on peut sentir du Amon Amarth, du In Flames, du Winterson, des éléments aussi de corps au sens général. Il y a un groupe en particulier ou des groupes en particulier qui vous inspirent? Mais disons, In Flames c'est un bon exemple. Il y a aussi Amorphis, il y a Dark Tranquility, plutôt des groupes finlandais, c'est droit. On doit dire aussi qu'on est très heureux de jouer avec Moonspell, parce qu'on aime bien la musique de Moonspell. Il y a, je crois, les dernières 3-4 années, on voulait aller les voir en live en Suisse, mais tous les fois, on loupait la date. Et on a dit, alors on va jouer ensemble en tournée, comme ça on les voit tous les soirs. Voilà, c'était sûr et assuré. Quoi. Alors pour parler de votre musique, on a dit qu'on était vraiment avant tout dans du death mélodique. J'ai vu donc que vous aviez précédemment un claviériste qui ne fait plus partie donc, de votre groupe. Est-ce que c'est pour revenir à des bases un peu plus métal et moins mélodique? Mais en effet, on a encore des claviers, des pads, des synths, mais on n'a pas voulu prendre un autre claviériste. C'est aussi très difficile de trouver des bons claviéristes dans notre région, disons, pour les métals. Et on a opté pour faire ça en studio et puis utiliser des samples pendant les concerts. Voilà. Mm. Alors votre troisième album, Weaker Street Trust, a été produit par Peter Tadgren, une sommité du métal scandinave qu'on ne présente limite plus, tant par ses groupes avec Pain, Hypocrisy ou son studio. Est-ce que c'est sa patte qui vous confère ce son si ancré dans l'esprit sweatcore dont on parlait tout à l'heure? J'ai pas vraiment compris la question. On parlait tout à l'heure justement des groupes comme In Flames, Amorphis, voilà. Tout ça, justement, ceux qui ont cette sonorité de death metal du Nord. Oui, et justement, le fait d'avoir travaillé avec Peter Tengren, est-ce que ça a une influence aussi sur votre son à vous? Oui, sûrement. On a voulu essayer de travailler avec des personnes qui étaient dans notre style. Puis on a écrit à plus tôt. Et Peter, c'était un des premiers qui a tout de suite répondu. Il était intéressé à travailler avec nous et on a essayé ça. Ça, disons, au niveau du groupe, de l'image du groupe, c'est pas changé grand chose. Peut-être qu'on espérait plutôt quelque chose en plus, mais c'était une bonne expérience parce que c'est super professionnel, c'est un des plus expérimentés des
c'est aussi un grand chanteur, guitariste, donc c'était cool de travailler avec lui et prendre ses conseils. Surtout, il disait des fois qu'on faisait chier aussi. Mais ça, c'était cool, c'était bien pour nous. Pour... C'est formateur, quoi. Voilà, ouais. Voilà, c'était super cool. Donc, une bonne expérience, quoi. Alors, fait assez exceptionnel, je dirais, pour un groupe de métal. Dès le premier album, vous êtes retrouvé propulsé sur la scène du Wacken. Oui. Le plus gros festival quasiment notoire au niveau métal, en tout cas le festival allemand. Comment est-ce qu'on arrive à décrocher une place dans un lieu aussi prestigieux? Mais en effet, il y avait un concours, je crois qu'il y a aussi en France, qui s'appelle Metal Battle. Oui, c'est vrai, on a ça aussi. Donc on a fait ça en Suisse et on a gagné le concours. On était vraiment surpris aussi de gagner ce concours. Et puis on est parti au Wacken, c'était une expérience incroyable. Peut-être on n'était pas vraiment prêt pour ça, mais c'était incroyable. On a fait 3-4 jours de parties tous les soirs. Et puis le dommage, c'était que le concert, c'était la dernière journée. Et on ne pouvait pas, on a fait tout, on était arrivé presque bourré au concert après. Mais c'était bien, on a fait un bon concert, tout allait très bien. Et puis le vacances pour nous, c'était se servir pour pousser la band dans un step suivant. Et avec ça, on a pu commencer à faire des tours par l'Europe. C'est vrai, c'était un bon coup, le Wacken. Ça donne un gros gain de notoriété, en fait, pour la suite de la carrière. C'est vrai. Alors, pour parler de ce soir un peu, votre style musical, donc, c'est assez éloigné de celui d'Ataraxy, ou même de celui de Moonspell, pour qui vous ouvrez ce soir, à part éventuellement sur le morceau Hollow, qui est extrait de Weaker Sweet Rest, où ça se rapproche à peu près du style. Vous pensez que c'est compatible une scène comme celle de ce soir, avec d'un côté un groupe de Doom, de l'autre un groupe de Death Mélodique, et encore un troisième style? Mais oui, moi je crois que les fans du metal, c'est beaucoup ouvertes, je trouve. On verra ici, c'est aussi la même chose. Nous, on a fait des tours avec beaucoup de groupes avec des styles différents. On a joué avec Six Feet Under, on a fait un tour avec Propane aussi, qui font de l'hardcore, mais toutes les soirées, ça s'est passé bien. Donc, on verra. Moi, on est très... Disons, on pense que ça peut y aller. Donc, on espère bien. Si jamais on va faire la fête. Et puis, voilà. C'est un peu le but. Mais j'adore quand vous faites des transitions, puisque j'allais vous demander justement, vu que vous avez ouvert pour des grands groupes de la scène, donc Rotting Christ, Sepultura, Soulfly, Vader, Six Feet Under. Est-ce qu'il y en a un en particulier à qui vous gardez des souvenirs impérissables? Oui, je parle pour tous, mais le dernier, c'était avec Amorphis. C'était, oui, à Lausanne, en Suisse. Et c'était pour nous très, très important parce que c'est dans les dernières 3 années le groupe absolument le plus important pour nous et qui nous ont donné beaucoup d'inspiration aussi pour les nouveaux albums. Et alors oui, Amorphis, c'était un des plus importants concerts, je crois. Une espèce de rêve accompli, ouais, enfin. Voilà, ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et vu que vous avez joué déjà avec quand même pas mal de sommités, est-ce qu'il y a un groupe, éventuellement, encore autre que Amorphis, avec lequel vous aimeriez partager une scène? In Flames. C'est le prochain tour, on va avec In Flames. C'est pas encore signé, mais... C'est sur le point. Non, c'est la blague qu'on fait toujours dans le tourbus ou en salle de preuves, on dit comme ça. Avec les autres, oui. Prochaine fois avec les Infames. On va voir, mais à la fin, l'important pour un band comme nous, c'est jouer et chercher de partir, d'aller le plus loin possible. Donc, toutes les fois, c'est une bonne chance. Puis c'est vrai, s'il y a un groupe qui c'est vraiment cool, disons, pas comme personne, mais comme style de musique, on aime bien, c'est plus joli, disons. Mais aussi, on a fait des tours, comme je dis, avec des groupes qui peut-être, ils étaient presque trop méchant, comme Six Feet Under, par exemple. Mais c'était très génial, le tour. C'était super, à la fin. Donc, on verra. On espère. In Flames, Dark Tranquility, je sais pas. On verra. Bon, à mettre dans les programmes, quoi.
Alors, on va parler maintenant un peu plus d'actualité, puisque votre dernier album, Welcome My Son, pardon, est sorti en décembre 2015. Assez fraîchement, donc. Quelle thématique vous abordez dans ce disque? Mais c'est la thématique de la vie de chacun. À partir de, de l'adolescence, et puis l'indépendance de chacun. Et puis on parle aussi de la folie de la guerre, par exemple. On parle aussi des moments de fête avec une histoire d'une fête qu'on a fait une fois. Alors on a fait une chanson morceau avec ça. Et oui, on parle des situations qui chacun peut vivre pendant sa vie. C'est ce qui on aime faire aussi. Le bien vivre. Oui, voilà. Eh bien, écoutez, j'ai une dernière question à vous poser, puis après, on va pouvoir vous laisser aller. Est-ce que vous êtes prêt à passer une soul night? Une soul night? Mais oui. On espère de passer une soul night ce soir ici, et puis de passer aussi des autres soul nights pendant cette tournée. Et oui, on est très heureux d'être en tournée avec Mousspel. Et... Oh, pour nous, c'est la première fois en France. On a joué partout dans l'Europe, mais c'est la première fois en France ce soir. Oui. Et pour nous, c'est génial. Il est temps d'étraîner, donc. Merci, Soul Line.